progressive d'une vingtaine de ministères intégrant toutes les administrations. Voilà pourquoi la cérémonie de ce jour est historique. Elle est historique car elle marque, depuis la construction du building administratif en 1958, une rupture fondamentale dans la politique de relocalisation des ministères et le pilotage des projets immobiliers de l'État, avec le recours expérimental du partenariat public-privé. Elle est historique parce qu'elle replace notre administration à la pointe de la modernité et du progrès. Elle est historique car elle consacre une nouvelle ère de rationalisation et de mutualisation des ressources publiques. Je peux dire aujourd'hui que notre action et notre bilan se conjuguent au présent, au vu et au toucher, comme ici à Diamniadio. Avec cette infrastructure.